Je pense qu'on peut commencer la cérémonie. On est autour de cette table. Effectivement. Avant de commencer quoi que ce soit, on va demander à l'imam de prier pour nous, pour qu'on puisse ouvrir cette cérémonie. Imam, s'il vous plaît. Merci, Imam Ahmad Maktar Kanté. Excellences, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, cher Imam Ahmad Maktar Kanté, Imam de la Grande Mosquée du Point E, Docteur Babacar Diagne, historien, Docteur Rocher Sand, cher auteur, Excellences Monsieur le directeur du Centre culturel iranien à Dakar, cher maître ou maîtresse, je vois mes professeurs tous derrière, mesdames, messieurs de la famille et des amis du docteur Rocher Sand. C'est pour moi un double plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui. D'abord, en ce jour important, dit-on, pour les femmes. Pourquoi ? Parce que les institutions internationales ont décrété le 8 mars comme la journée mondiale de la femme. Mon plaisir est d'autant plus important que la personne qui nous réunit ici aujourd'hui pour lancer son livre sur les femmes est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect. Le docteur Rocher Sand, en dehors de ses qualités de travailleuse qu'on lui connaît à l'université, je pense que des paroles plus avisées que la mienne le diront certainement. Je voudrais juste insister sur deux éléments. Le premier élément sur lequel je voudrais insister, c'est que le docteur Rocher Sand n'a pas peur de la production et surtout n'a pas peur de soumettre sa production à la critique. Pourquoi ? Parce que le livre que nous lançons cet après-midi, docteur, vous me rectifierez si je me trompe, est le quatrième que nous avons eu à faire ensemble, entre 2009 et aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une femme qui travaille et qui, quand elle le fait, elle soumet à la critique son travail. Le deuxième élément, c'est sur la dimension de la personne humaine. Je le dis parce que j'ai eu à travailler avec elle depuis quelques années pour l'apparition de tous ses ouvrages, depuis qu'on était au point E jusqu'à aujourd'hui. Et Rocheya est toujours égale à elle-même. Le sourire, c'est-à-dire toujours la parole douce, la bonne parole. Quand elle arrive à l'Harmattan, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, elle irradie l'espace avec la joie qui est la sienne. Et ça, je tenais quand même à le dire devant ses parents, devant ses amis et devant ses collègues. En tout cas, nous, à l'Harmattan, nous considérons Rocheya comme une des nôtres et c'est aussi une personne qui est bien. Et la bonté de Rocheya, je ne connais pas sa famille, peut-être les gens qui la connaissent le diront, mais j'ai eu affaire également à sa sœur qui, sachant juste que j'ai travaillé avec Rocheya pour sortir ses livres,
Je devais sortir des conteneurs, sa sœur travaille au port. Elle s'est occupée de mon dossier. C'est une fois que tout est réglé qu'elle s'est présentée à moi. Elle m'a dit, pourtant, docteur, c'est vous qui avez publié les livres de ma sœur. Maneko, quelle sœur? Maneko, voilà pourquoi depuis une semaine, je cherche à savoir d'où est-ce que je connais ce visage. Là aussi, elle aurait pu souvenir et mais dès que tout est réglé, c'est après que j'ai appelé Rokhaya pour lui dire que sa sœur s'est occupée de mon dossier wax deug yalla, et ça aussi je tenais à le dire, c'est-à-dire nit ku bax rek mom moy doxale non, et ça je tiens à le dire. Et on est dans un espace où le prophète qui nous a dit ceci: quand vous rencontrez une personne qui fait du bien, dites-le pour inciter ceux qui hésiteraient à le faire ou qui ne le font pas à faire comme elle. Rokhaya, surtout ne change pas. Voilà. Ceci dit, on est ici à l'Harmattan Sénégal. Moi, en tant que directeur de l'Harmattan, je ne vais pas polluer vos oreilles en vous disant que nous sommes une maison d'édition, nous sommes une librairie. Je le dis et je le redis tout le temps. Mais je voudrais juste vous dire qu'on est très honoré de vous avoir parmi nous. Soyez là, Djokingen Senkir, Dallen Senkir. Et voilà comment est-ce que les choses vont se passer. Après le mot que je viens de dire, nous allons passer à la présentation du livre en donnant tour à tour la parole au docteur Babacar Diagne, historien, qui aura quelques minutes pour présenter la somme qu'il a eu à tirer de la lecture de l'ouvrage de Rokhaya Sam. Après, nous donnerons la parole à notre cher imam Ahmad Maktar Kanté, qui, à son tour, en tant qu'environnementaliste également, nous dira son point de vue sur le livre du docteur Rokhaya Sam. Après cela, nous donnerons la parole à l'auteur qui nous dira pourquoi avoir publié ce livre. Et nous ouvrirons la parole au public, à quelques-uns ou quelques-unes qui voudront bien la prendre, avant de procéder à la cérémonie de dédicace. Et en bon sens belle, Rokhaya, quand elle vous invite, elle vous donne à manger, il y a un cocktail qui est prévu, n'est-ce pas? Je commence à être trop bavard, mais avant de donner juste la parole au docteur Babacar Diagne, je voudrais surtout saluer la présence de son Excellence l'ambassadeur Sérou Nourba. Soyez le bienvenu. Qui est le cousin de l'auteur, Sokh Rokhaya me souffle à l'oreille. Docteur, vous avez la parole. Merci, docteur Carlos. Voilà, merci beaucoup, docteur Diallo. Merci Rokhaya, merci toute l'assistance, merci docteur Kanté. Je commencerai d'abord par remercier Rokhaya, doublement. D'abord, je la remercie pour m'avoir vraiment choisi, c'est pas pour écrire un petit mot dans l'ouvrage qu'elle a eu l'honneur d'écrire, et également aussi pour m'avoir demandé de venir faire une présentation ici pendant cette cérémonie de dédicace de son ouvrage. Je dis merci parce qu'elle aurait pu choisir plusieurs autres personnes. Parce que je sais qu'elle a ce qu'on peut appeler un background extrêmement large. Elle a un candidat extrêmement fouillé. Elle avait la possibilité de choisir plusieurs personnes. Et son choix s'est porté sur moi. Donc je ne peux que la remercier. Ça ne m'étonne pas également de sa part parce que Rokhaya et moi avons cheminé pendant un temps relativement long. Parce qu'on a été tous inspecteurs de l'enseignement, moyen secondaire. Et dans le cadre de cette activité professionnelle, nous avons eu à travailler à l'intérieur et à Dakar. Et donc nous avons eu le temps de nous pratiquer et de nous connaître. Donc ce qui me permet de dire et de confirmer ce que le docteur Diallo disait tout à l'heure, que Rokhaya est une femme non seulement bien, mais sérieuse, honnête dans ce qu'elle fait, extrêmement rigoureuse dans son travail. Donc ce n'est pas un hasard si elle en est à sa 4e publication. Et je sais qu'elle n'a pas encore terminé. Il y a d'autres publications qui attendent et qui certainement viendront. Donc, c'est un honneur pour moi d'être là et de parler de l'ouvrage de Rokhaya.
Je commencerai d'abord par saluer les femmes. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, c'est le 8 mars. C'est vrai que c'est une journée internationalement reconnue comme étant la journée des femmes, mais c'est une heureuse occasion quand même de donner aux gens l'occasion de féliciter et de souhaiter, n'est-ce pas, une bonne journée à nos femmes, nos sœurs et nos mamans. Donc je vous souhaite vraiment une excellente fête. Donc pour en revenir à l'ouvrage, je disais donc que c'est un honneur et un grand plaisir de participer à cette cérémonie de dédicace du livre de Roquet Sambre, L'écoféminisme dans la géopolitique. En fait, qui est le regard d'une femme active sur le monde qui nous entoure et également sur son monde. C'est également aussi, n'est-ce pas, un hommage qui est rendu aux femmes. C'est le fruit d'une observation extrêmement détaillée et méticuleuse. Pour quelqu'un qui a lu le livre, se rendra effectivement donc compte du caractère extrêmement précis des informations et des détails donnés par madame, n'est-ce pas, dans le cadre de l'observation du travail qu'elle a eu à faire. Donc c'est un regard objectif sur notre société et dans tous les aspects de la société. La vie de famille, la gestion de l'environnement immédiat, la vie publique, sans oublier les problèmes auxquels nous sommes tous quotidiennement confrontés. C'est dire que c'est un ouvrage qui est total, qui n'a occulté aucun domaine. Donc, elle étudie, l'ouvrage étudie, à travers tous ces éléments dont je viens de parler, la place justement de la femme et son rôle dans tous les segments de la vie. La femme est donc ainsi, même si en regardant l'ouvrage, on se rend compte de l'éclatement et de la largeur des chemins, des domaines et des champs étudiés, la femme reste toujours au cœur de sa préoccupation. La problématique de la femme est au cœur de cet ouvrage-là. Ce regard donc inquisiteur qui est posé sur la femme, dans toutes ses dimensions, s'intéresse à toutes les femmes, depuis la ménagère, la domestique, la prostituée, jusqu'à la femme compagne des hommes les plus illustres, les plus importants de cette planète-là. Donc, on ne peut pas dire qu'une plage a été ou ait été occultée. Donc, elle a étudié la dame, la femme, dans toutes ses dimensions. Donc, dans cet ouvrage-là, Madame Sam scrute la position de la femme et analyse ses actions dans tous les domaines. Le rôle de la femme dans les institutions politiques, dans les activités économiques, dans toutes les activités économiques, sans exclusive. Elle est même allée jusqu'à nous donner des données statistiques qui ont été réalisées sur des travaux sur les femmes en activité. Donc des éléments extrêmement pointilleux, rigoureux, n'est-ce pas, du servant également dans l'analyse, n'est-ce pas, de la part de la femme dans le domaine économique. Mais également, son combat au quotidien, le combat de la femme au quotidien et de ses stratégies de survie. La réclamation de son droit ou de ses droits à la liberté, à l'égalité et à l'équité. Donc ici, on a l'impression que c'est un parti pris, n'est-ce pas, de Mme Roquet Sambre sur les femmes. C'est vrai, mais c'est un parti pris volontaire qui nous permet d'apprécier à sa juste valeur l'empreinte que les femmes exercent sur notre vie. Et les femmes exercent sur la vie en un seul mot. Mais l'ouvrage se veut un ouvrage d'équité, en ce sens qu'elle ne cherche pas à caresser les femmes dans le sens du poil, mais également aussi, elle ne cherche pas à justifier et à accepter certains comportements blâmables ou peu convenables de nos filles, de nos femmes, de nos mamans. Elle tente simplement d'en voir les fondements, de chercher à les expliquer et de dégager quelques pistes pour nous trouver des solutions. Mais le travail de Mme Sambre ne s'arrête pas à ce domaine-là. Ne serait-ce pas à ce qui pourrait ressembler à du corporatisme de genre. En ce sens que
on peut avoir l'impression que dans ce ouvrage, Madame Sam ne s'intéresse qu'à la position de la femme en tant qu'élément, sans essayer de chercher à comprendre l'environnement dans lequel cette femme-là évolue. Et c'est ainsi que Rokhaya va jeter un regard sur les problèmes majeurs du siècle. Les problèmes majeurs du siècle, je vais parler des questions écologiques, avec la prolifération des centrales nucléaires, le réchauffement de la terre, la surexploitation des ressources, à l'échelle locale, la destruction de notre environnement immédiat et de toutes les formes de pollution que nous vivons au quotidien dans nos foyers et dans nos quartiers. Donc c'est dire que la vision de Madame Sam est une vision totale, est une vision extrêmement large. Si vous vous informez, si vous lisez l'ouvrage, vous vous rendez compte qu'aucun domaine n'a été occulté. C'est un regard lucide et simple qui s'interroge sur son monde. Elle se fait l'écho de nos préoccupations, de nos questionnements. Et elle n'hésite pas, vous le verrez dans l'ouvrage, à soulever des problèmes controversés, à poser des sujets tabous et à tirer même des conclusions hardies que peut-être tout le monde n'est pas censé accepter ou agréer. Mais c'est le propre de l'intellectuel, du chercheur, de la critique sociale qu'elle est, de jeter un regard dubitatif, d'interrogation sur son monde, sur sa société, dans l'espoir de trouver des raisons et des explications à des comportements, à des phénomènes, en vue aussi de trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc c'est dire que l'ouvrage de Madame Sam est un ouvrage, comme je disais encore tantôt, est un ouvrage de son temps. Livre de Tiamonom. Pour nous autres géographes, et pour les géographes qui sont mes collègues, c'est un document majeur pour celui qui veut étudier la société, qui veut étudier le monde, qui veut étudier également aussi l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Mais également pour l'historien, l'autre versant de ma profession, de mon métier. Parce que nous autres, nous sommes des historiens et nous sommes des géographes. Et donc pour l'historien, je dirais que c'est un document de première main pour qui veut connaître la société sénégalaise en cette aube du 21e siècle. Dans la préface que j'ai eu l'honneur d'écrire pour madame, j'ai essayé de situer les problèmes auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée, tels que les menaces de désertification, le réchauffement planétaire, le gaspillage des ressources naturelles, des problèmes qui entrent peut-être dans le cadre normal de l'évolution de la Terre et des espèces qui y vivent, mais que les hommes comme les femmes doivent de manière solidaire affronter pour assurer leur survie et par conséquent celle des générations à venir. Je veux parler de la protection de notre écosystème et du développement durable, thème central de l'ouvrage de Madame Sam. Je terminerai, pour ne pas trop monopoliser la parole, par saluer encore une fois le courage, la lucidité, la ténacité, la qualité de la réflexion de Madame Sam, et je l'encourage encore à produire d'autres ouvrages, et je sais qu'elle va encore en produire d'autres. Je vous remercie. Merci, docteur Diagne, de la concision de vos propos, qui sont denses, qui rendent effectivement compte de l'essentiel du contenu du livre que vous avez bien évidemment préfacé avec amabilité. Je retiens simplement ceci de votre propos, que le livre de Rokhaya est un livre de son temps, livre d'Éric Diamanombla. C'est vous qui le dites. Ivan ? Oui. Docteur Cheikh Ahmed Maktal Kanté, que les gens connaissent surtout comme étant un imam, un universitaire, il a soutenu une thèse de doctorat à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université Cheikh Anthony de Dakar. Imam, vous avez la parole. Merci, docteur Diallo. Je voudrais commencer par saluer toute l'assistance, en commençant par les femmes qui ont profité de cette
journée internationale pour activer des débats qui sont très importants pour le futur de l'humanité. Et je crois que c'est une très très bonne chose parce qu'on était habitué il y a quelques années à beaucoup plus de folklore que de réflexion sur des leviers de changement de notre société, au Sénégal en particulier, et de, on peut dire, des rapports entre les différents pays qui sont très marqués par des inégalités, des rapports de domination, de violence, de désordre. Donc je crois que c'est bienvenu qu'on puisse participer, hommes et femmes, à ce genre d'activité dans ce jour international de la femme. Donc je félicite toutes les femmes et les encourage à persévérer. Je sais que c'est loin d'être facile. Ce n'est pas facile ni pour les femmes ni pour les hommes. Je pense que c'est dans la collaboration positive et bénéfique à chacun qu'on pourra mettre en place une société de plus en plus équitable et juste. Et je salue particulièrement Dr. Rokhaya Samb pour son courage et pour tout ce que tout le monde pourrait dire d'elle sur ses qualités innombrables, et je fais mienne les observations n'est-ce pas, que Dr. Diallo a émises par rapport au Dr. Rokhaya Samb. C'est une grande dame dont le Sénégal doit être fier. Et je salue aussi le docteur Diagne. J'ai beaucoup aimé la préface, je pense comme beaucoup de gens. C'est fluide, ça donne envie, n'est-ce pas, dès qu'on termine la préface, de commencer à lire le livre. Et la restitution qu'il en a faite tout à l'heure aussi montre bien qu'il est bien dans l'ouvrage. Parce que comme je commence à être familier un peu à ce genre de panel de lecture, je sais qu'il y a des gens qui sont très forts, qui sont capables de faire la préface d'un livre qu'ils n'ont pas lu. Alors, il suffit d'être très intelligent pour le faire. Hein. Mais si vous le faites aussi, vous n'êtes pas honnête intellectuellement. Mais je crois que Dr. Diagne, la restitution qu'il a faite, montre bien qu'il a bien participé à cet ouvrage. Et donc, ce n'est pas par hasard que Dr. Rokhaya Samb a choisi M. Diagne pour faire la préface. Et en même temps, je crois que aussi ce n'est pas par hasard que Dr. Samb a choisi un homme. Parce que, voilà, je crois que dans tout le fil de son ouvrage, il y a cette volonté pour elle de dire attention, je ne suis pas d'accord avec des courants féministes, je vais y revenir tout à l'heure, qui voudraient écarter ou bien marginaliser l'homme dans, n'est-ce pas, dans le mouvement social. Donc je crois que c'est important que, donc, qu'on voit dans la préface un homme qui fait très bien la préface, et après une femme aussi qui fait très bien son ouvrage. Je crois que c'est très bien comme ça et que on n'aurait pas besoin d'une autre posture. Alors, je salue toute l'assistance et voilà, je suis très content d'être associé à ce panel. Et j'étais tellement touché par le coup de fil de Dr. Rokhaya Samb, comme l'a dit Dr. Diallo. La première chose qui m'a en fait vraiment touché, c'est effectivement dès qu'elle m'a appelé au téléphone, c'était un sourire quoi. Dès que j'ai raccroché, j'en ai parlé avec certains amis, j'ai dit mais c'est formidable, c'est Dr. Rokhaya Samb qui vient de m'appeler. Elle a commencé par rire pendant quelques secondes avant de me dire ce qu'elle voulait dire. Ben, je crois que d'ailleurs, moi, ça a trouvé que j'étais énervé par quelques trucs, là, je ne sais pas c'était quoi encore. Vous savez, les problèmes de mosquée et tout ça, tellement stressant. Les gens vous attendent à la porte de la mosquée, ils demandent pourquoi telle chose, vous n'avez pas aidé telle personne, il y a quelqu'un qui vous attend là-bas. Mais quand elle m'a appelé au téléphone, avec un sourire déjà au téléphone, ça m'a redonné envie de... Je me suis dit, ouf, enfin, voilà au moins une personne qui me donne de l'oxygène. Et donc, j'étais très content de parler avec elle, et avec la simplicité. Donc, je peux dire que je l'ai un peu, je l'ai un peu gêné, parce que j'ai posé beaucoup de questions, peut-être qu'il ne fallait pas poser. Mais en réalité, mon intention, justement, c'était de m'inscrire dans sa générosité. Je me disais, mais non, il ne faut surtout pas que j'aille là-bas pour faire quelque chose qui peut gêner Dr. Rokhaya Samb, parce que quand même, une femme gentille comme ça, il faut que je m'adapte à, n'est-ce pas, à sa ligne de conduite.
Alors, mais donc j'étais très heureux aussi en même temps de participer à cette table et j'en ai parlé à beaucoup de gens de mon entourage. J'ai dit, Inch'Allah, que Dieu me donne Maïmo Virktal pour que je puisse participer vraiment à la journée de Dr Okessam. Et vraiment, je suis content donc d'être là et de partager cette table avec vous tous. Alors, j'ai lu l'ouvrage, hein, et ça m'a beaucoup intéressé parce que je suis dans le domaine, effectivement, de l'environnement, du développement durable, je peux dire depuis 15-20 ans. Hein, et donc, je suis un praticien du développement durable, donc je vois tout de suite, j'ai le flair tout de suite quand j'ai feuilleté les premières pages pour dire que ah, voilà, un livre qui est intéressant. Et la première remarque que j'ai faite, c'est que d'abord, c'est une écriture qui est simple, hein, qui est accessible, qui est fluide, qui donne envie de lire toutes les pages. Ça, c'est déjà une première remarque. Je ne vais pas aller plus loin, hein, parce que les vraies critiques, les questions style et tout, je n'en parle pas. Hein. Je me limite à dire que c'est une écriture simple, accessible, fluide. Les termes techniques de style, je ne touche pas. Hein. C'est des choses que je laisse aux spécialistes. Mais au moins, j'ai le droit quand même de dire que c'est une écriture simple, accessible, fluide. Personne ne va me dire que tu as fait une faute en disant ça. Alors, ça donne envie de lire. C'est pourquoi moi, j'ai lu tout le livre. Et en général, maintenant, les gens lisent quelques chapitres. Ils vont voir directement la table des matières. Et ils lisent quelques chapitres. Ce que tout le monde fait, hein, je crois. Docteur Diallo, peut-être sauf Docteur Diallo. Mais pour ce livre, quand même, j'ai tout lu. Parce que vraiment, c'était... Je me disais tout le temps, des fois je voulais sauter deux pages, après je me disais, attention, ne prends pas le risque de sauter quelques pages parce que peut-être tu rates une idée importante que Dr Samb a développée. Donc finalement, des fois je sautais quelques pages après et je revenais pour lire après. J'ai dit, heureusement, il ne fallait pas que je saute ça. Donc voilà quoi. Et bon voilà, c'est un livre. Et voilà, le volume, il est extrêmement intéressant parce que je pense que ça a été suffisant. Hein, 100 et quelques pages, ça a été suffisant pour dire beaucoup de choses et sans faire du remplissage, hein? Parce qu'on peut faire un livre de 1000 pages où il y a 4 idées qui ont été répétées de différentes façons jusqu'à avoir 1000 pages quoi. Là c'est pas du remplissage parce qu'on voit que sur chaque page, n'est-ce pas, il y a une idée nouvelle qui est développée, comme l'a dit d'ailleurs tout à l'heure Dr Sam, que c'est vraiment un ratissage large, n'est-ce pas, des questions de développement et de développement durable, n'est-ce pas, questions d'écoféminisme, de géopolitique, mais comme l'a dit docteur Diagne, toutes les problématiques sont traversées dans le livre. Donc moi, en tant que praticien du développement durable, je suis beaucoup plus praticien que théoricien. Et donc, j'ai vu les concepts théoriques, je les ai beaucoup regardés. Des fois, on se perd dans les concepts théoriques du développement durable, avec tous les débats qu'il y a autour. Et quand je regarde le livre, je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que fait Rokessam? Elle descend le concept théorique sur le terrain social, sur le terrain de la pratique sociale. D'accord, développement durable, c'est joli, c'est un joli mot, développement durable, etc. Mais elle est partie sur le terrain social en disant, si je descends le concept sur les pratiques sociales, ça donne quoi? Et si je prends la femme comme objet de ma préoccupation, de mon enquête, qu'est-ce que ça donne? Et ça, quand même, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu un ouvrage, en tout cas pas au Sénégal, qui ait traité ça. Donc je crois que, n'est-ce pas, cette originalité, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est pas facile, hein, c'est pas facile de... ceux qui travaillent sur ces questions-là savent que c'est pas facile du tout de passer des concepts aux pratiques, n'est-ce pas? Il faut avoir du background, il faut avoir de la lecture, n'est-ce pas? Il faut aussi connaître le terrain, il faut... Voilà, donc c'est tout ça qui... un livre, voilà, c'est beaucoup de choses pour arriver à ça. Alors, mais je viendrai à la fin sur quelques points de critique, entre guillemets, mais d'observation que je voudrais soumettre à Dr Okessam et sur lesquelles je voudrais qu'elle réponde. Je reviendrai pour dire que, autant le fait de traverser beaucoup de problématiques est extrêmement intéressant, autant la limite de ces choses-là, c'est de ne pas approfondir, n'est-ce pas, quelques points qui pourraient être plus approfondis par rapport aux réalités sociales du Sénégal face au concept de développement durable. Tout ça, elle pourra nous expliquer après tout à l'heure
un peu sa motivation, pourquoi elle a adopté cette posture. Ce que j'ai aimé aussi dans le livre de Roque Sam, c'est qu'elle procède à un basculement pertinent entre le global et le local. Alors, parce que docteur, c'est ce qu'on dit, ce que docteur Diagne a dit, ce que je suis en train de dire, et ce que beaucoup de gens voudraient dire, mais qui ne pourront pas dire pour des raisons de temps ou bien parce qu'ils ne sont pas sur la table. Mais je crois que ce qui est important pour vous, c'est quand vous nous écoutez, de savoir que nous avons lu votre livre. Et voilà, j'ai vu ce basculement-là pertinent entre le global et le local. Donc chaque fois qu'elle traite d'une question, effectivement, la géopolitique, parce que moi je suis assez pointu sur ces choses-là, quand je regarde le titre d'un ouvrage, je regarde chaque mot, n'est-ce pas, et je vais voir dans le livre, est-ce que ce mot est pris en charge? Ou bien c'est juste un beau titre. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont très forts pour faire de grands beaux titres. Et après, il n'y a rien dans l'ouvrage. Et j'ai dit, ah, il faut que je regarde écoféminisme. Ça correspond à quoi dans ce qui est écrit dans le livre? Géopolitique, c'est des gros concepts. Hein? Écoféminisme, géopolitique, développement durable. Femmes, je me disais, c'est sûr que, bon, elle parle des femmes. Mais quel est le lien qu'elle fait entre les femmes et ces gros concepts-là? Et effectivement, elle en parle. Elle en parle. Et j'ai vu ce basculement-là qu'elle fait entre le global et le local pour dire oui, il y a des réflexions globales, mais il faut tenir compte de l'altérité. Il faut tenir compte de la diversité, des cultures, des niveaux de développement, etc. Et je crois que ça, c'est extrêmement intéressant parce que voilà, comme ça, vous échappez au mimétisme. Ça, vous échappez, voilà. Il ne s'agit pas de colporter comme ça des choses, mais d'avoir ce que le jeune chercheur sénégalais là, qui, comment il s'appelle encore, l'économiste là, qui de Saint-Louis, c'est mon ami d'ailleurs, qui vient de sortir son livre sur l'Afrique là, Utopia, comment il s'appelle encore, Felwin, voilà ce que Felwin appelle la souveraineté intellectuelle là. Et il faut d'abord qu'on apprenne à penser nous-mêmes, n'est-ce pas, et à ne pas se limiter à copier. Donc il faut éviter de copier. En même temps, il faut éviter aussi l'autarcie, se fermer et dire tout est bien chez moi, je connais tout, voilà. Donc, elle a échappé à ça. Elle a échappé à l'essentialisme, elle a échappé au culturalisme, etc. Elle a échappé au mimétisme. En même temps, elle a échappé aussi à la fermeture, n'est-ce pas, sur le local et sur une auto-glorification de nos sociétés. Ça, c'est aussi, c'est pas facile à faire. Et j'ai vu une audace extraordinaire, un courage extraordinaire à dire ses vérités sur les pratiques social, aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Comme l'a dit docteur Diagne, il y a des phrases, n'est-ce pas, où, n'est-ce pas, je prends quelques phrases pour les hommes. Je pense qu'il y a des hommes peu courtois sur certaines pratiques qu'elle a soulignées. Et dans une phrase, elle a dit, ces bandits qui font telle ou telle chose. J'ai dit, ah, bandits. Après, j'ai regardé. Eh bien, j'étais d'accord avec elle que ces pratiques-là, c'est des pratiques de bandits. Et que c'était des hommes qui le faisaient. Alors, donc, j'ai aimé cette franchise de l'écriture, mais en même temps aussi, elle ne pardonne rien aussi à ses sœurs. Hein. Elle parle des femmes et dit, voilà, certains comportements aussi des femmes, il faut, y a des choses à redire, n'est-ce pas, sur certaines pratiques. Donc, je crois que ça aussi, c'est important parce qu'il ne s'agit pas de survoler des choses extrêmement importantes. Un autre point que j'ai terminé rapidement, un autre point que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, c'est la vulgarisation du vocabulaire associé à l'écologie. Eh bien, voilà, regarde des termes jolis comme éco-société, éco-geste, éco-solution. C'est des termes jolis. Hein? Et j'ai aimé ça. Et je me suis dit, mais voilà, on commence déjà à éduquer les gens par la terminologie. Parce que même si nous avons dit que 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 nous avons dit. Donc c'est déjà intéressant. Donc voilà, j'ai dit, elle est quoi, je sais pas, elle fait de l'étymologie, elle fait de l'éducation, quand même, elle est à l'aise dans tout ça. Et voilà, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et si on n'est pas familier à la littérature écologique, on ne peut pas connaître ces termes-là et leur contenu et les utiliser. Et la page 146-147, c'est extraordinaire, il y a toute une batterie de mesures comportementales qui éduquent tout le monde. Donc, quand vous verrez le livre, page 147, n'est-ce pas, sur des problèmes d'hygiène, sur les problèmes de transport en commun, le covoiturage, etc., il y a une batterie de mesures comportementales qu'elle propose
n'est-ce pas, et qui sont des mesures d'éducation. Un point aussi extrêmement important. Quand Roqay parle des femmes, elle parle de leurs problèmes, mais elle parle aussi de leurs opportunités. Ça aussi, c'est important, parce qu'il ne s'agit pas seulement de peindre le tableau tout en noir, genre, ben ouais, on ne fait que massacrer les femmes, ouais, les femmes sont des anges, etc. Mais non, elle dit oui, elles ont des problèmes, elles sont confrontées à des problèmes, il y a des choses qui les contraignent, n'est-ce pas, à des situations difficiles, mais en même temps, elle dit il y a des atouts, des opportunités, des leviers sur lesquels, n'est-ce pas, si on joue, on peut améliorer les choses. Et ça, ça donne de l'espérance. Et on a besoin aussi d'espérance, pas seulement de dire « Ah oui, c'est foutu, on n'en peut rien, etc. » Donc ça, c'est important. Et c'est là où elle parle beaucoup du capital humain. Elle parle beaucoup de la formation des femmes. Souvent, je l'ai vu sur toutes les pages presque. Elle dit « Ben, les femmes font telle chose, c'est bien, mais elles peuvent mieux faire si. » J'ai bien aimé ça. Elles peuvent mieux faire si. Si elles sont mieux formées, si la société leur donne tel rôle, etc. Ça aussi, c'est... Je me suis dit, mais voilà, ça, c'est des choses extrêmement intéressantes. Son pragmatisme aussi, voilà. Voilà. Donc, je pourrais vraiment, si le temps me l'avait permis, n'est-ce pas, m'épancher sur beaucoup de choses très, très intéressantes dans cet ouvrage. Et maintenant, je vais juste terminer sur deux points, n'est-ce pas, que quelques observations que je voulais faire pour Roqay Sam, et comme je l'ai dit tout à l'heure, avant qu'on soit sur la table, je dis, j'aimerais bien avoir ton avis sur effectivement ces deux observations que j'ai. C'est vrai que c'est une posture qu'elle a eue, c'est un choix qu'elle a fait. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de concepts, bien sûr, qui sont donnés très rapidement, qui ne sont pas explicités, mais voilà, je crois que c'est un choix qu'elle a fait. Et par exemple, le concept d'écoféminisme, c'est vrai que le concept écoféminisme n'est pas un concept univoque, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de débats théoriques internes et c'est en train d'évoluer. Hein? C'est en train d'évoluer. Au départ, l'écoféminisme, ce n'est pas la forme actuelle. Au départ, c'était beaucoup plus... c'était très radical. Hein? C'est à cause des hommes que les femmes ne pourront jamais s'en sortir. Il faut combattre les hommes, etc. Après, il y a eu des débats internes jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à l'écoféminisme transformatif qui dit, voilà, attention, il faut trouver des rapports équilibrés, etc. Donc, je crois qu'elle n'a pas eu le temps ou bien elle a fait le choix de dire, je ne vais pas encombrer les gens avec ces concepts-là, leur genèse, leur évolution, mais voir ce que ça donne dans les pratiques sociales, ce qui est son droit aussi. Par exemple, les concepts de justice climatique, de dette écologique, n'est-ce pas, qui sont des concepts intéressants, mais bien sûr que aussi, il faut savoir comment les manipuler. Alors, je termine sur le point de la femme et du développement durable. Je suis resté un peu sur ma faim en me disant que Roqay Sam a les outils, n'est-ce pas, intellectuels et la connaissance du terrain sénégalais pour le faire. Et peut-être que, pourquoi pas, un autre ouvrage de mieux focaliser sur le développement durable au Sénégal, c'est-à-dire la politique même de développement durable, comment elle est conçue au Sénégal, qui la conçoit, qui sont les parties prenantes, quelle est la stratégie, en quoi est-ce que les femmes ont été prises en compte et leurs préoccupations dans les stratégies de développement durable, n'est-ce pas? Prenez par exemple les indicateurs de développement durable. Est-ce que les préoccupations des femmes ressortent dans ces indicateurs, etc. Voilà, je voulais juste vous dire ça et je renouvelle mes félicitations, n'est-ce pas? Et je renouvelle aussi ma fierté d'avoir pu participer à votre panel. Je félicite aussi Dr Diagne, n'est-ce pas, et l'Armatan et Diallo qui est en train de faire un travail extraordinaire, n'est-ce pas? On lui demande aussi de persévérer, n'est-ce pas, de continuer à fournir cet effort. Je salue tout le public. Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Merci. Merci, Imam, de ces bonnes paroles, suis-je tenté de dire. Avant de donner la parole au docteur Alexandre, parce que, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais juste saisir cette opportunité quand même pour saluer les grandes dames de la FASTEF. J'ai en face de moi
ma tante Kuro, avec tout le travail qu'elles sont en train de faire dans le cadre de la COFULEF, il y a mon professeur de Malabou, André Baïdiane, bonne année. Et puis toutes ces femmes qui vous accompagnent avec, en vous citant vous deux, je confonds toutes les autres grandes dames de la faculté. Ah oui, il y a le professeur Mamso Diouf, il faut bien que... Voilà. C'est-à-dire, en sortant de la FASTEC, parlez surtout de... Il y a de... l'environnementaliste, c'est Aram Doy. Voilà, madame le professeur Aramdoy et toutes les femmes de l'université sénégalaise pour tout le travail qu'elles sont en train d'avoir. Parce que former, c'est quelque chose de vraiment honorable et vous faites très très bien ce boulot. Et saluer également une parente de madame Sand. Je veux parler de madame Fall qui est surtout la mère d'une de nos plus prometteuses des auteurs, je vous parlais de la mère de l'enfant Kamara. C'est aussi une très grande dame qui est présente à côté de sa fille, qui l'accompagne à chaque fois qu'il y a une activité littéraire. Elle travaille avec les amis des Camerounais. Je ne sais pas comment elle fait pour trouver toujours le temps de se libérer et être aux côtés de sa fille. Rocher, vous écrivez. Aujourd'hui, vous avez écrit quelque chose sur l'écoféminisme. Pourquoi un livre sur l'écoféminisme? Vous avez été interpellé. Voilà. Dites-nous le pourquoi de tout ça. Avant de vous donner la parole aussi, quand même, il faut toujours rendre à César ce qui lui appartient. Je ne suis pas toujours très d'accord que quelque chose lui appartienne. C'est que je me dois quand même de saluer le professeur Mamadou Kandi. Le doyen, l'ancien doyen de la faculté des lettres et sciences humaines. Son épouse est là. Voilà, c'est lui qui m'a amené Rocher Sand. Tant Fatou, je ne sais pas où est-elle, je crois que je l'ai aperçue elle quelque est là. Part. Elle est là. Ah bah voilà, Tant Fatou. Voilà. Bravo. Il faut que nous rendions hommage. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, comme on dit chez nous en haut, c'est-à-dire, où le gremial. Voilà, et le professeur Mamadou Kandi, et depuis qu'il nous l'a amené, franchement, les plus petits auront, comme on dit, si je peux me permettre, n'est-ce pas? Rocher, tu as la parole. Merci. En tout cas, faites-vous notre porte-parole en Fatou auprès du doyen Kandi. Merci, docteur Diallo. Merci, docteur Diallo. C'est bon. Merci docteur Diallo, merci à tout le monde. Merci docteur Kanté, merci au docteur Babacar Diagne, qui est vraiment mon frère. Je reviens sur ça. Donc, le docteur Diallo, je ne sais pas comment le remercier. Moi, quand je viens à l'art matin, je suis comme chez moi. C'est tout le monde qui vient vers moi, tout ce que je demande, on le fait. Même si je ne donne pas de l'argent, on fait tout ce que je veux. Je ne sais pas comment vous remercier. Je n'ai pas les mots pour vous remercier. Le docteur Gall, tout le monde sait qu'il est très pris. Mais cette semaine, il m'a appelé je ne sais combien de fois. Finalement, moi, je n'ai pas beaucoup de temps, c'est vrai. Mais je me suis rendue ici à l'Armatan parce que je n'ai pas pu prendre son téléphone. J'étais occupée. Il m'a appelé je ne sais combien de fois. Finalement, ce que j'ai fait, le matin, de bonne heure, je suis venue à l'Armatan. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai dit à tout le monde, je suis venue parce que le docteur Gallo m'a appelé plusieurs fois, je n'ai pas pris le téléphone, donc il faut lui dire que j'étais seulement venue pour ça. Je vous remercie. Le docteur Kandé, dès qu'il a vu mon livre, ici à l'Armatan, on m'a appelé, on m'a dit, le docteur Kandé est venu ici, il a vu ton livre, vraiment, il aime ça et il dit que vraiment, il a dit trop de bonnes choses sur le livre. Et à partir de ce moment-là, vraiment, je ne peux rien dire. Je suis vraiment heureuse. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez pris le temps de lire le livre. Vous avez pris le temps de prendre des notes. Vous avez pris le temps de commenter. Vous m'avez appelé. On a parlé. On a échangé du mail. Je ne sais pas comment vous remercier. Et votre temps est très précieux. Mais quand même, vous êtes venu ici aujourd'hui pour être dans le panel. Merci beaucoup. Babacar, c'est mon frère. Parce que nous deux,
on a fait l'inspectorat ensemble, la première promotion, parce que bon, en fait, il n'y a pas beaucoup de promotions. Les autres, je les vois ici dans la salle, on a eu la première promotion des inspecteurs de l'enseignement secondaire du Sénégal. On a travaillé pendant des années, on a fait presque le tour du Sénégal, on a passé des nuits entières à travailler. Donc, c'est un brave homme. Et je le remercie, je remercie aussi, il y a d'autres inspecteurs dans la salle, je vois Chamba Kessissi, je vois Meyane. Merci beaucoup, vous êtes mes frères, parce que être femme parmi des hommes, c'est pas facile. Bon, quand on allait quelque part, par exemple, quand on rencontrait nos ministres, ils disaient « Merci messieurs les inspecteurs ». Je disais toujours « Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une dame ». Donc ça n'a pas été facile, mais vraiment mes frères m'ont encadré. Donc merci beaucoup. Je remercie toute l'assistance. Je ne peux pas remercier tout le monde parce que tout le monde, je dois beaucoup à chacun d'entre vous ici dans la salle. Donc, je remercie tout le monde. J'ai vu presque la majorité des sœurs de la COFLEF. Je sais que votre temps est très précieux. C'est aujourd'hui la journée de la femme. Chacune d'entre vous a un panel, une table ronde, une cérémonie. Vous étiez invité par Madame la ministre de la femme. Vous devez intervenir autre part, donc je vous remercie beaucoup. Je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts pour être ici aujourd'hui. Merci pour tout. Je remercie Madame la Présidente de la COFLEF. Elle m'appelle régulièrement. Depuis que je me prépare cette cérémonie, elle me dit, Rokhaya, tu envoies un mail. Rokhaya, tu invites. Rokhaya, on va voir tel ambassadeur. Rokhaya, vraiment, merci beaucoup pour ça. Pour cette raison, nous avons dans la salle le directeur du Centre culturel de l'ambassade d'Iran. Je vous remercie, docteur. Il est venu, il m'a amené un cadeau. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Je remercie mon cousin, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Sidou Nourouba, qui est mon cousin germain, hein, qui n'a pas beaucoup de temps, mais qui a tout sacrifié, qui est là devant moi, à côté de son frère. Merci beaucoup. Bon, je voudrais seulement, pour terminer, remercier mes étudiants. Parce que moi, j'appartiens à plusieurs structures. Je vois mes étudiants d'IFMEN, que je suis en train de former, qui vont être des professeurs. Ils sont là. Les responsables de l'administration sont là. Je remercie l'École supérieure de commerce et des affaires, dont je suis la directrice des études. Ils sont là. Je remercie mes étudiants de l'UQAD. Eux, ils me considèrent comme leur maman. Depuis qu'ils sont au courant de la cérémonie, ils me disent « Madame, votre cérémonie, chaque jour. » Donc, merci beaucoup. Maintenant, vous me permettrez de dire un seul mot à une seule dame. C'est ma badiane. Moi, je suis là, si je suis là aujourd'hui, en train d'écrire des livres, c'est son travail. Moi, j'avais entre 3 et 4 ans. Mon frère était malade, donc ma mère s'occupait de mon frère. Elle a dit à ma mère, toi tu es trop fatiguée, je vais prendre celle-là avec moi. Elle m'a prise, elle m'a éduquée, elle m'a acheté des bijoux en or, j'étais trop petite. Et entre 3 et 4 ans, elle m'a confiée à une touba. Elle lui a dit, je veux que celle-là, que tu lui enseignes le français. La dame m'a appris à articuler, elle m'a appris à écrire. Et ma badine qui était analphabète, Aliane Defal, elle est là dans la salle. Ah ouais. Elle me disait. Elle m'a pas dit. Moi, je ne savais pas qu'elle n'avait pas été à l'école. Parce qu'elle me disait. Lire, je lisais. Elle me disait, récite. Je récitais. Donc, si aujourd'hui je suis là en train d'écrire et en train de parler en français assez correct, c'est son travail à elle. Merci beaucoup. Je peux plus continuer. Rokhaya, me dit qu'elle ne peut plus continuer. Je comprends que l'émotion l'étreigne. Ça montre effectivement toujours la grandeur d'âme de la personne. Parce que Rokhaya est aujourd'hui mère de famille. Je pense même. T'as pas encore petits-enfants? Pas encore, mais ça ne serait tardé. Se rappeler de ce qui s'est passé de son tendre enfance, ça montre la grandeur d'âme de la personne. La preuve, voilà, l'émotion est là. Hein. Tu es en train de faire pleurer beaucoup de monde. Et je ne sais pas pourquoi tu n'as pas pleuré aujourd'hui d'ailleurs. Avant d'ouvrir
le micro au public. Je voudrais surtout saluer et remercier quand même le directeur du Centre culturel iranien à Dakar, d'abord d'avoir pris de votre temps pour être présent ici, mais aussi pour tout le travail d'animation que vous êtes en train de faire. Personnellement, l'ambassade m'a une fois invité à Téhéran. Malheureusement, pour des questions de calendrier, je n'ai pas pu y aller. Mais c'est pour dire toute l'importance du travail que vous êtes en train de faire ici à Dakar. Nous en sommes conscients, en tout cas nous à l'Armatan Sénégal, on continuera à perpétuer cette collaboration avec l'ambassade de l'Iran. Merci, docteur. Nous allons ouvrir la parole maintenant au public et je vais, avant de demander ceux ou celles qui voudraient s'inscrire, je vais inscrire de fait la présidente, Madame Khan, qui est là en face de moi. Et puis après elle, s'il y a d'autres qui voudraient bien prendre la parole, voilà, je sais que Tante Kourou pourra prendre la parole. Après Madame Khan. Excellence. Après, monsieur. Alors, je vais prendre une dame d'abord. C'est Tata. Monsieur Meng. Ici, docteur. Madame Fall, à la voix. D'accord. Monsieur Camara. Oui. Monsieur Sandre. Oui. Monsieur Guille. Alors, c'est la journée des femmes, hein. Je vois que des mains d'hommes qui se lèvent là. Ah, je pensais que c'était une dame, c'est encore un monsieur. Monsieur Cissé, je ne prends plus d'hommes. Y a-t-il une dame qui voudrait encore prendre la parole? Professeur Kamou, vous l'avez. Merci, docteur Diallo. Bonne fête à toutes les femmes, où qu'elles soient, les femmes qui sont dans les usines, les femmes qui sont dans les bureaux et les femmes qui sont au foyer. Merci aux hommes pour leur solidarité agissante. La fête de la femme, ça se fête, mais 40 ans d'amitié, ça se fête également. Rokhaya, on s'est connu au lycée Kennedy avec Sophie Faye. En classe de terminale, j'avais un an de plus que vous. Et depuis, on ne s'est pas quitté. Et on était tous, toutes les deux, prédestinés à l'enseignement. Vous, vous avez préféré être bureaucrate à la poste. Ça vous honore. On l'a dit, c'est une personnalité très attachante, très affectueuse. C'est la raison pour laquelle, depuis ce matin, on n'est pas sur place. Aramdoy et toutes les femmes qui sont là. Et cet après-midi, on a fait faux bond au ministère de la Femme et pourtant qu'ils nous avaient donné des boubous blancs. Mais on s'est dit qu'on ne peut pas rater cette occasion. Et Madame Mamso m'a appelé spontanément pour me dire qu'elle y va. Aramdoy également. Mariam Alpha, donc, vous adresse ses amitiés, contraintes et forcées, parce que je l'ai envoyée me représenter là-bas en tant que vice-présidente. C'est à cause donc de votre bonne humeur, des valeurs auxquelles vous croyez, à cause également de votre gentillesse et d'autres qualités que nous sommes là aujourd'hui. La preuve, la salle est presque comble. Il y a des femmes, beaucoup de femmes qui devaient être ailleurs mais qui sont venues vous soutenir. Alors très rapidement, pour en revenir donc au livre, je crois que c'est un livre qui a de beaux jours
devant lui. On l'a dit, un livre qui aborde presque l'actualité, l'environnement, le rôle de la femme, le leadership féminin avec défis et opportunités. Ce livre est tellement actuel que depuis ce matin, on traite des thèmes évoqués ici, femmes et pouvoir économique. Aram Ndoye en a parlé ce matin, à l'ESP, à la communication donc qu'elle a faite ce matin, présence dans les instances de décision et acquisition des terres pour les femmes, un thème que les femmes de Saint-Louis vont traiter, et d'autres également. Je ne veux pas monopoliser la parole. Des pistes de réflexion également seront ouvertes. Et peut-être que les étudiants auront un terrain vierge pour aborder ce travail. Mais Rokhaya, vous le savez, la critique, elle est impitoyable. Et c'est ce qui fait la richesse des ouvrages d'ailleurs. Ce qui c'est sûr, c'est que vous aurez des critiques négatives comme positives, mais ce qui enrichit l'ouvrage, et qui va enrichir l'ouvrage. Et ce n'est pas la première fois que je présente l'ouvrage de Rokhaya. Elle a fait un ouvrage magistral sur la pédagogie que j'ai présenté au WARC et avec Sadakan. Et l'émission avait été tellement bien appréciée qu'on a vu, que vous avez vu les réactions de nos collègues, de nos étudiantes devenues collègues à travers les réseaux sociaux. Alors, un regard donc sur la condition de la femme, de toutes les couches sociales, de la femme au foyer, la femme démunie, jusqu'à la femme donc dans certaines stations sociales. Je vous remercie au passage pour m'avoir cité dans l'ouvrage et pour avoir cité ma sœur André-Marie Diagne dans l'ouvrage également. Et c'est un interdisciplinaire que vous convoquez l'histoire dans sa véracité, vous convoquez également la géographie, c'est un sociologue également que vous abordez les problèmes, les faits que vous avez développés. On l'a dit, le docteur Diagne l'a dit, un regard objectif mais lucide également. Puisque vous tenez votre monde à distance, vous ne jugez pas les gens quelquefois, mais un ouvrage satirique également, on voit votre humour de temps à autre. Je dirais que c'est une réflexion sur la femme, sur la domination masculine, sur le mal, sur la condition humaine tout court. Et ce livre touche au problème actuel, je l'ai dit, il va nourrir des débats féconds aujourd'hui et demain. Pour terminer, je vous souhaite une belle promotion du livre et d'autres ouvrages féconds également. Je vous remercie, Rokhaya. Merci, professeur Kam, de ces paroles empreintes de générosité. La parole à son excellence, c'est de Nourouba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous salue toutes et tous. Je n'ai pas demandé la parole, mais je crois que j'ai été un volontaire désigné, comme nous disons dans notre jargon. Mais quoi dire? Je ne vous parlerai pas du livre parce que ce n'est pas de mon domaine. Mais sans son auteur, le livre n'aurait pas existé. Certes, vous la connaissez, Rokhaya, certaines comme collègues, d'autres comme professeurs, d'autres encore comme voisins, amis. Je vais un peu parler d'elle, je vais heurter peut-être son humilité, mais qu'elle me le permette aujourd'hui. Quoi dire en cette journée du 8 mars, un mercredi? Hier, évidemment, c'était mardi, qui correspondait à une page glorieuse de l'histoire du Sénégal, entre autres, le Talatin d'Air, en 1850. C'était un mardi. D'aucuns, je dirais, avaient même interpellé une année le président de la République pour lui dire pourquoi ne pas décréter
le Talatéinder comme journée nationale. D'autres ont dit, il y a d'autres Talatéinder dans toutes les régions du Sénégal. Nous avons vu des grandes dames qui se sont battues pour défendre des valeurs, qui se sont battues pour résister à l'oppression, qui se sont battues pour que triomphent les valeurs de dignité humaine et surtout de dignité de la femme. Nous disons que tous les jours, nous pouvons célébrer nos mères, nos épouses, nos sœurs et bien entendu nos cousines. Quoi dire après ce parterre de docteurs qui soignent et le docteur Kanté qui est également spécialiste de l'environnement qui soigne, le docteur Diagne. Je dirais simplement que ce parterre de personnalités, ici à ma gauche et là en face de moi, ce n'est pas un hasard. Rokhaya Samb, à entendre sa voix suave et douce, me rappelle ma tante, sa mère. Elle était toujours joviale. Elle ne parlait jamais trop ni trop fort. Mais dans ce qu'elle disait, et comme elle le disait, elle montrait qu'elle était la fille de Ibrahim Ba, notre grand-père. Rokhaya a grandi dans une famille qui hérite de valeurs, qui cultive des valeurs, mais qui laisse également éclore de nouveaux thèmes, de nouvelles tendances. Son grand-père me rappelait une de mes cousines, nos cousines sont là, ainsi que mon frère, me rappelait hier nuit au téléphone que ses grands-pères ont écrit le Coran dans du cuivre imprimé. Imam, peut-être que ce volet n'était pas assez connu. C'était une famille d'érudits, une famille de praticiens, une famille de générosité, mais une famille également éduquée dans les valeurs fécondantes de notre religion, comme d'ailleurs toutes les religions sont porteuses de valeurs. Donc je ne crois et je ne croirai jamais au choc des religions. Quand c'est une religion, les valeurs, elles dialoguent, elles parlent, elles se complètent et elles montent vers le Créateur. Rokhaya est né dans cet environnement, a grandi dans cet environnement. Elle ne pouvait pas être autre chose que ce qu'elle est. Les Wolofs disent Kewel du Teup, Dom du Bout. Boutewerek, Dom du Teup, Andamo. Rokhaya, tu fais la fierté de la famille encore. L'imam a parlé, je crois, le dernier, parce que pourquoi pas. Ce panel n'est pas un hasard pour qu'on ait un imam. Ça rappelle l'origine de ses grands-pères. Le hasard, comme me disait quelqu'un, qu'on prendrait pour, j'allais dire un fou, excusez-moi, le terme très fort, il m'a dit, écoutez, est-ce que vous connaissez le hasard? Je dis non. Et j'ai appris de ce monsieur. Il me dit, le hasard n'existe pas. C'est quand Dieu est présent et ne veut être ni vu ni senti. Imam, votre présence ici est double. En tant que docteur de l'environnement, mais également docteur des âmes. Et vous avez des fonctions actuellement. C'est seuls les imams dans le protocole généralement d'État, quand le président de la République est là, la cérémonie commence. C'est la seule personnalité au monde qui fait attendre un président de la République. Parce que quand il faut prier, tout le monde est assis et l'imam est le dernier à venir.
le dernier à venir, mais le premier faiseur d'actes, de valeurs. Et votre présence ici nous réconforte et nous réconcilie avec l'histoire de la famille de Roquer. Merci, mesdames, messieurs, surtout mesdames, d'avoir dit tant de bonnes choses de Rokhaya. Je suis sûr que vous auriez pu faire d'autres témoignages, mais laissez-nous la possibilité de dire un mot comme membre de la famille. C'est ce mot que je voulais partager avec vous et je vous remercie de votre attention. Merci, Excellence Ba. La parole à Monsieur Meng. Monsieur Meng, tête à se lever, vous la laissez, après vous prendrez la parole. Aïe. Assalamu alaikum mbokki. Ma ngi nuyu goor di nuyu jigen. Di nuyu mag ñi di nuyu mag ñi te ndaw ñi. Di len wax nak daba mi ngeen di wax. Kenn mënu nuru bokki jambur ku ne say mbokk ngay nuru. Ki ko ko jur. Di ndaya. Fat ba. Ak ma sayer sam. Ku ñu sék bo baxul ñu laaj lako yaatuna baxna yaruna deggona ñepp ma sha Allah tabarakallah ku ne jox na la cieur kenn ku ne bo wété ak daba da nga naan man rek la jox bop amna yar amna teggil respecté na nit ñi te njangam mi kat féla ko tek da nga naan xamul dara doxewuko waxewuko té tabarkallah machallah law la ciat yalla na yalla yok bu nga yek ko doxewul dara du situation du xam xamam foko fek mok dal wi ñoyam day wayef ba melni dal xam nak liko wat ci mag ñi ak ndaw ñin ñi daan digale ak ndeyam cieur bu mu daan jox fat ba lañu jox ba na gëne dara wañiku ci bajjenam bi goré tax mu wax fa mu ko daan jangalé ay leçon yow sambu ñaga do faté dara té sa bajjen bi bax melni sa baay ték la ci yoon té xalé du faté nan la défal ni défal ni défal ni jangal say la so té mok man yam jangul wayé lamu la daan sante yakko ci dara té goré tax nga diko faté liko daba yalla la yalla fay yalla la yalla fay ak kula ko yéne yalla wéral say cër jubal sa njabot guddal sa fan may la wér ak wér la te bàyyi fi sa baay bi bañ di ko wér ak a wér ak sa bàjjen yeeg sa ndey yi ñëpp laa waxal ku ne ca koñ ba di maaseeg fat ba ñu jax digaaleeg moom ba fii mu ne ñëpp laa waxal ñi fi toog ñëpp laa waxal say mbokk ñëpp am ñëpp a bëgg a wax Samb Njaga yal na la yàlla fay yow ñëpp nga yëg ñëpp nga jox cër fa tabarkallah gor yi baax yi toog fii li ñu wax ci yow rek doy na waaye billahi Samb bu ñëwoon ca koñ ba ba buntu kër bu ne ñu taxaw fa ni ñu daba mel ba kenn ku ne yuréeku ni tane macha allah macha allah Samb li ngay wut yal na nga ko jot te yàlla barkeel sa njaboot wéeral say cër bàyyi woo kenn du say mag du say rakk du sa kenn ñëpp nga jàppale man nag Samb bu ma gàttee xel ni maa ca raw waaye borom bët bu rëy bi rek laa la bàyyee yal na faj sa aajo ci kàttanu yàlla ak baax moom Merci, Sidna Jerigef. Diou baxna baxna ndax mbokk yaa ko wax comme la moom lii ñoom ñoo ko wax. Monsieur Meng, vous avez la parole. Assalamualaikum mbolo mi ku ci ne maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sat sama xol fees na waaye monsieur Diallo yaa imam ki mi sul lul permettez moi de dire que ni d'abord tu es l'incarnation parfaite de la beauté
de la bonté la plus rejetée de l'homme. D'abord, il y a un peu de temps. 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 Ni mu mel yeen lay bet waye man duma bet man mi yoro ndok mom xam ko ku am jom ku am fit ku am franc parler lum la wax deugul lum la bat bu lu yekati rek lum la wax rek boy boga jappal deugul daba yalla yalla may fan gut yeen yi lay bet waye man duma bet ndax kuy sa mam ni ni sukoy sar famé mbay famay may mariam awsi mariam awsi demb bunna nga joge ci deretu demb bunna mam alhadji malik di sa mam mam babakar di sa mam serigne abdou di sa mam sa bay sayar samb terem bi moy xaritam kurusam bi moy andandom jakkaji moy dekkandom bo melene du bet ken sa ndey nga ci alakhirah yalla yalla soral ay xam sa bay ci bopam mo taxaw geureup ko bay joy c'est de bu wir bu kennul didi sa baye taxaw def lol nga bok ci famille bu bax damel lidi sa mam la suka be goné jéré eumeur ngoné ma sa bak dabel ma sa bata dama bo melul ni ñu laaj lako dama bo melul ni rek ñu laaj lako li mu bind nak man bettu ba ndax ay mamam dañ doon bind ay mamam bind nañ batay yété nañ batay waraté nañ batay xamlé nañ batay kon mom bu seutum joge jaar ci ay tankam di def ni nga bok ci njabotu alhadji malik jël tarikh alhadji malik doxé wuko waxé wuko limuy njag njag tubab yépp waxtu duko raw ku julité ngi ni sayu takusan jo ñew fekk ku ci kurus gi parce que jël na werd alhadji malik dama jëre jëf duma guddul nak fofu rek la yapp parce que mo wax ni monsieur Camara assalamu alaykum mbokki man nak nijaayu dabala ma gayam ñoo bok ma gayam ñoo bok benn ndal ñoo bok benn men daba nak do ci wax lu bari deja ma jar wa bi wax na ci te do mu nijaayam be tam wax na ci yeen ya xam tam yeen mako mom di liggey wax na ay mbokam wax na parce que dundi ne diw bax na ñu laaj ndax mbokk yi ñoko wax alhamdullilah rabbil alamin mbokk yi wax na fi tam wax bu rafet te muy deug gu wer muy bajje nan di ndey fall ki mo ko fat ba ben la te bakkat waxtu wo gisé fall ba gis nga ko ma ngi sant yalla bu baax ba ndax daba sigil na suñu famille muy famille ñu sant ba famille ñi sant lo ak ñi sant sam ndax ñoo ñu ñoko meñ sambeen do yeen ndawen ñoo ñoo ci ñoko meñ daba nak diko xamni ku xam ci reum la ci ay mbokam ku xam ci reum la ci ay xaritam ci am xar ci rit ci ñi nga xamni ñom lay andal wante li nga xamni mom la cousin wax ñu degg wer kep ku xam fadda fadda ku ko xam gatt la ni gatt do fat bu ngi ci keureum fat bu lan moy mom kep ko xamni mbokk ma sayar nga joge ngay mexe so ñew fat bu dalay ubil buntam ubil la armaram ma sha Allah kep ko xamni mbokam ci keutu keur yaayam wala ci keutu keur bayam non lay def neena sama tante Aïda yalla naka yalla yelo koku mom du moy sunu tiatu mam di sama tiat sama yaay mok sama yaay ñoo bok ndey bay tan na wax ni fat bu ni la mëna mel ndax yaayam ni la mel sama yaay Maria Tudlo mi nga xamni mo lay ay mo yar ay dulu non la mëna mel kon nak daba ñu ngi lay ñaanal man de moy sa mère ndax ma sa yaay ñoo bok ben biir bok ben mère gis nga fi tam sama ay doom ndey yu fi nekk ndey Cissé ayu ak sama doomu yaay ndey tuuti nga xamni mom papa mama yaa muy babakar lo mom tam machallah
Monsieur Camara ne s'étant pas présenté, nous demandons. D'accord, monsieur Samb. Okay, salam alaykoum. Yaay ñi ngi leen di nuyu di leen sargal ci bëss bi Badian jërëjëf Badian suñu jigéen bi wax na ko léegi yow lañuy sant di la gërëm li ma bëgg a wax yëpp duma ko mën a wax parce que lu bari yàll na mais yaa baax mënul passé da ngaa baax daba moom nii rek la mën a am lii rek la mën a mel baax rek la mën a def mënul def leneen. Quand je vois sur cette table là fepp ñu bind docteur mooy lan si jàng mooy koo xamante ni ki jàng nga maanaam ba egg yenn niveau yi. J'ai entendu des professeurs ici, j'ai entendu beaucoup de personnalités ici. Moom mooy ni daba yàqul boppam. Daba ñu ngi lay ñaanal yàlla, yàlla na la yàlla defal jàmm. Li ma bëgg a wax yëpp mënuma ko wax mais ñun kontaan nañu waaw famille bi. Suñu ñaari maam ñoo bokk Ndey ak Baye famille bi kontaan nañ ci yow ñëpp sant nañ la ñëpp gërëm nañ vraiment yàlla na la yàlla defal jàmm wasalaam. Merci monsieur Sam. Monsieur Guy. Bonjour à l'assistance. Je commencerai d'abord par rendre hommage à nos chères dames présentes et à toutes les dames qui ne sont pas présentes et qui sont occupées à d'autres activités. Et ce sont elles qui célèbrent leur journée. Elles méritent beaucoup plus qu'une journée. Et je leur dis qu'elles ont en Rokhaya Samb une digne représentante. Bon, je vais parler au nom d'un institut dans lequel Rokhaya intervient et je parle au nom de l'administration de cet institut, des étudiants de cet institut et aussi des formateurs de cet institut. Bon, je vais avoir des mots de témoignage. J'aurais bien voulu parler de l'ouvrage. Mais malheureusement, pour des raisons de disponibilité, je ne l'ai pas encore lu. Comme j'ai lu les 12 autres livrages qui l'ont précédé, mais cette fois-ci, je ne l'ai bon, je n'ai pas encore l'ouvrage entre mes mains. Mais c'est sûr que je vais lire l'ouvrage. Je vais me délecter comme je l'ai fait pour les ouvrages précédents. Bon, les mots de témoignage, c'est des mots. Bon, j'ai reconnu en Rokhaya des qualités. De grande qualité. J'en peux citer à peu près trois. La première qualité, c'est que Rokhaya, je loue à Rokhaya son courage. Et je la fréquente depuis 5 ans, mais à travers ces 5 ans, j'ai assisté au moins à 3 cérémonies de présentation d'ouvrages. Et ce sont des ouvrages avec des thèmes variés et divers. Mais tous ces thèmes ont un fil conducteur, la femme. Le premier ouvrage, si ma mémoire est bonne, c'est à peu près, ça traitait d'un thème qui parle de la femme, de la conception, des pratiques religieuses de la femme. Et si ma mémoire ne me trahit pas encore,
C'était une Américaine et une Sud-Africaine, je ne sais plus quelle nationalité, qui avaient des points de vue différents sur la religion. Donc, en dehors de cet ouvrage, il y a un autre ouvrage aussi que j'ai lu et j'ai assisté aussi à la cérémonie. C'était un ouvrage qui parlait d'éducation, son principal domaine. Et cet ouvrage-ci parle aussi de l'environnement, de développement durable, mais tout avec comme fil conducteur le rôle de la femme dans cette thématique-là. C'est tout cela pour dire que Rocher a beaucoup de courage, parce que écrire, c'est pas facile. Moi, il m'arrive de vouloir coucher des idées, mais pour remplir la moitié d'une page, c'est vraiment la croix et la bannière, c'est très extrêmement difficile. Elle qui est aussi prolixe pour produire en un laps de temps trois. Bon, et c'est sûr que même j'ai oublié d'autres. Hein? Il y en a quatre déjà. Donc, M. Diallo, merci de me corriger. Donc, c'est pour dire que Rokhaya a beaucoup de courage. Pour un homme, c'est extrêmement difficile. Pour une dame encore, ça l'est beaucoup plus. Hein? Donc, parce qu'en dehors de l'homme a comme seule occupation, ses occupations de travail, etc. Mais la femme, elle gère la maison, elle gère les enfants, elle gère le travail, elle travaille, elle fait autre chose. Donc, le fait qu'elle trouve du temps pour écrire autant, ah, en tout cas, je lui tire mon chapeau. La deuxième qualité que j'ai trouvée en Rokhaya, c'est aussi sa disponibilité. Rokhaya, à travers les étudiants, dans ses rapports avec les étudiants, avec l'administration, elle montre tout le temps une disponibilité. Sa femme, sa famille en a parlé. Elle se préoccupe des préoccupations, des besoins des gens. Elle est toujours là pour faire, bon, pour donner un peu de soi-même, pour aider, pour soutenir, pour conforter. Et troisième qualité, c'est aussi sa détermination. Sa détermination. Et c'est pas pour rien qu'elle ait écrit. Si elle a écrit autant d'ouvrages, c'est parce qu'elle est déterminée. Quand elle entame un projet, elle n'a de cesse de réaliser ce projet-là. Donc elle se met à fond pour réaliser ce projet. Bon, je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Je vais terminer en souhaitant à Rokhaya de revenir encore, comme je l'ai fait les deux ou trois fois encore, pour assister à une autre cérémonie. Et je lui souhaite vraiment bonne chance à Rokhaya et à Madame Lepouze. Merci, M. Diagne. Encore deux intervenants avant qu'on nous clôture. M. Diagne. Bonjour, man baykay la tuddu di xaritu Rokhaya. Alors ñu defando inspectorat ñun anglais lañu def, donc ñu bokko liguey bi di def le tour du Sénégal fune dem nañ fa amuñu ben moyen mais diñu gëm état bi gëm Sénégal gëm éducation. Alors ci la ñu nekkon di liguey lu ëpp 10 ans. Formé nous à un millier de professeurs. Nous avons actuellement des thèses et tout. Alors, l'homme est venu à Rokhaya, c'est une brave dame. Donc, je me voyais avant-hier, j'étais très content. Il me dit, mais il est dédicace. Maintenant que je viens très bien, je me tarde à demeurer. Je ne connaissais pas les lieux. Mais j'ai tout fait. J'ai appelé 3-4 fois. Il n'a pas pris le téléphone. Je me suis mis à demander à des gens. Ils m'ont montré. Et je suis venu. Mais Rokhaya, je suis très satisfait. Et tu honores vraiment la communauté des anglicistes. Nous sommes fiers de toi. Nous sommes vraiment heureux d'avoir parmi nous, les anglicistes, une femme dévouée, une femme très engagée, une femme de valeur, une femme de principe. Nous l'avons toujours dit, depuis que tu as soutenu ta thèse, je croyais que tu allais arrêter. Mais Dieu merci. Que le bon Dieu te donne encore du courage, vraiment une bonne santé
pour que tu puisses encore continuer à nous satisfaire et à nous amener dans des milieux de ce genre. André Malraux disait que l'art est un anti-destin. Je crois que tout ce qu'on ne peut pas réaliser concrètement, on peut essayer de le réaliser à travers l'art. C'est ce que Rokhaya est en train de faire. Elle est en train d'écrire sur la femme, mais de manière générale sur la société. Parce qu'elle veut une société stable, une société équilibrée, une société où la femme aura sa vraie place. Parce que, d'une manière traditionnelle, les femmes, comme vous le savez tous, ont été reléguées au second plan. Ce qui a été une injustice. Nous voyons qu'aujourd'hui, nous, les spécialistes de l'éducation, que les filles dans nos lycées et nos collèges, même à l'alimentaire, travaillent mieux que les garçons. Ceci a été démontré et on le voit tous les jours. Cela veut dire quoi? Que la femme a son rôle. Un rôle vraiment important. Parce que non seulement la femme s'occupe de la famille, la femme est mère, la femme donne naissance et perd la vie. Donc la femme, on ne peut pas la qualifier, ce n'est pas possible. Nous avons tous nos mères, nos sœurs. Maintenant, si on voit parmi nous une femme qui sort du lot et qui veut vraiment éduquer les populations et penser à la postérité et écrire sur des thèmes aussi sensibles que l'environnement, on ne peut que s'en réjouir. Rokhaya, encore une fois, nos félicitations. Nous, les anglicistes, nous sommes heureux de toi et nous souhaitons que tu puisses encore écrire et écrire encore et que le bon Dieu vous donne beaucoup de chance, une très longue vie et vraiment que nous tous, que nous soyons encore là pour célébrer notre cérémonie. Merci beaucoup. Je salue mon frère. Et enfin, le dernier intervenant, M. Cissé, avant qu'on ne donne la parole à Madiane. Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord dire que je crois que prendre la parole en dernier est une tâche facile et difficile à la fois. Et c'est facile parce que je crois que tout ce que je devais dire a été dit par mes prédécesseurs. Donc ce que je vais dire est très simple. J'ai travaillé avec Rokhaya pendant une décennie, plus d'une décennie. Et comme l'ont dit tous mes prédécesseurs, Rokhaya est une dame très courageuse. Rokhaya est une dame engagée. Elle est très compétente et elle aime ce qu'elle fait. Comme l'a dit M. Mbaïdiane, je le salue au passage, nous n'étions que quatre à Dakar. Quatre inspecteurs d'enseignement moyen secondaire spécialisé en langue anglaise. Mais je peux dire que Rokhaya a représenté toutes les dames du Sénégal par son savoir-faire, par sa rigueur et surtout par son sens de la méthodologie. Ce que je tiens à dire encore sur Rokhaya, c'est que c'est une dame très généreuse. Tout récemment, il y a à peu près 2 mois et demi, j'ai perdu mon frère. Mais je crois qu'elle a fait un geste. Pour citer notre cher footballeur Elhaj Diouf, qui m'est allé droit au cœur. Parce que Rokhaya, vous savez, il y a des gestes qui ne peuvent pas être petits. Il m'a dit que Cheikh Mbaké, si je le savais, j'allais te retrouver chez toi, à Sagataguette. Mais je le suis comme ça parmi eux. Ce qu'elle a fait, c'est de m'envoyer beaucoup d'argent en me disant que, vraiment, je sais qu'en Afrique,
quand on a ces cérémonies, vraiment, on dépense beaucoup, beaucoup. Je le dis devant sa famille, parce que tout le monde dit qu'elle est généreuse. Ça, c'est un acte de générosité. Ah, je suis doublement satisfait de me rendre compte que mon ami, mon collègue Babacar, a préfacé ce livre. Mbaïdiane l'a brossé un peu. Il faut que les gens sachent que le corps des inspecteurs de spécialité devrait être la colonne vertébrale du système éducatif sénégal, surtout au niveau secondaire. Et que malheureusement, je suis désolé de le dire, nous sommes une race qui va disparaître très bientôt. Et je crois qu'aujourd'hui, je profite de cette tribune pour interpeller les autorités éducatives pour leur dire que on doit continuer à aider nos jeunes professeurs qui ont besoin d'assistance. Ils ont la formation académique, mais il reste beaucoup à faire sur le plan professionnel. À ce niveau, je crois que il faudrait qu'on le dise et que tout le monde vraiment nous aide à relever ce défi pour que l'éducation au Sénégal vraiment continue à rayonner. Propre à du courage et je sais que le cinquième livre va sortir très bientôt. Merci. Monsieur Cissé était le dernier inscrit. Les mains se sont levées, mais il se fait tard. Je suis dans l'obligation d'arrêter là les interventions parce que ceux qui prendraient la parole ne feront que répéter ce qui a déjà été dit. Voilà. Et Rokhaya doit intervenir également. Et nous avons des autorités qui sont là. Nous avons des autorités qui sont lu samoro bokut te buñu fi togon ba gannaaw ba lañ di wax dana am ño xamné duñu jeex. Voilà. Aliou, tu prends le micro, tu viens à côté de notre badiane pour qu'elle puisse s'exprimer, s'il te plaît. Aliou, micro, Assalamu alaikum mbolo ma ngi len di nuyu yeen ñepp kenn ku nekk ci touram ak santal ñi len siyaré yeen ñepp nak di contane ci téwaay yi ñepp di ñaan yalla yalla fayal leen bopam wax bi dugul du dé ndax luma muy wax da naka waxit la rek ndax nit ñi wax nañu lepp daba wante daba nak sama wax ci mom dama len di xamal ni rek daba ci bopam kuy sa papa Masaya Sam moma jur kuy sa yaay Fatou Ba doy na daba dafa wara baax bu baaxé baax na bu baaxul baax ko war yalla def na liko war mu def bu mu mucc seuk tubarkallah daba nak ko xam yaayam xam papa xam ni daba lu mu baax rek doy billahi wallahi ko xam yaayam Fatou Ba yikko ji nekkoon ci mom mu yaro ko magge ko dundé ko ba bi muy wuy ji borom ci lu bax la musa nek def lu bax wax lu bax defal ak mbokk ouf ñepp yar ñepp yor ñepp man moma yar bima musa yar di jox fa dab mi dama ko woor fa ba dindi seeram jox ma ni ma tegal takke ko ko ma takk ko yobbu ko nga yoré ko duggal ko école machallah mak mom ba legui nak daba ah xamna ni rek mako jur mako yar dama koy ñaanal yalla ay magam ak rakam yalna yalla taxawul len ak njabot gi ñep yalna yalla fay len yu diko xamal fuma tollu nak ba fima tok dama wax ak mom rek nan ko yalla mo la yenn yalla mi la yenn yalla na la teñal ndax tabarkallah ya mak ci njabot gi ma sha Allah te itam tabarkallah lila war ci ñoom ñep yenu nga ko ba mu mat lila war ci mbokk gi yenu nga ko ba mu mat
Yalla na la yalla tartanal nak ba yenn bi woyof toy ci yow ba melni teñ ci sa bop bi man nak dama lay ñaan rek sa mbolo man den yalla nga mën dewel lu ko ëpp yaak sa mbokk yépp nak say doomu nday ak say doomu baay ak sa xéttu nday ak sa xéttu kër baay yalla na yalla yokk taxaway bi dëggal ko dëgëral en al yalla na la yalla la fal ciat loolu rek lay ñaan yalla na la yalla la fal ciat yaak say mbokk yépp nak ba li nga yéene ci mbokk gi, yéene ko ci famille bi, yéene ko ci jambour bi, yéene ko ci dëkkandoo, yéene ko ci ñëpp ci lu baax. Te di ko def yal na la yàlla kartanal te may la wér ak wérale te yombalal la ko ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Jërëjëf Samb, jërëjëf, jërëjëf. Jërëjëf Madje. Mesdames, messieurs, nous arrivons au terme des prises de parole de l'Assemblée. Je vais juste nous redonner la parole au docteur Roger Samb pour 3 minutes, pas plus, pour qu'elle puisse conclure. Roger, vous avez la parole. Donc, merci. Merci à tout le monde. Je voudrais seulement dire un mot sur le livre. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Moi, j'ai voulu parler de la femme, mais pas de la manière dont les femmes elles-mêmes parlent d'elles. Parce que les femmes, en général, quand elles parlent, elles ne font que revendiquer. Elles ne se remettent pas en question. Elles ne s'interrogent pas. Et comme il y a des femmes qui font ce qu'elles doivent faire, qui font de bons actes, de bonnes actions, il faut que nous, les femmes, que nous reconnaissions qu'il y a des femmes qui font autre chose. Et j'ai voulu maintenant équilibrer entre ce côté positif et ce côté qui n'est pas très positif de la femme. J'ai réfléchi, j'ai trouvé beaucoup de choses pour écrire. J'ai fait beaucoup de brouillons. Parmi ces brouillons, j'ai choisi d'abord l'écoféminisme. Parce que dans l'écoféminisme, ça je l'ai trouvé pas en français mais en anglais. Donc j'ai étudié ça en anglais, je ne l'ai pas étudié en français. Mais quand j'ai voulu écrire en français, je me suis dit l'écoféminisme, ça peut convenir. Parce que c'est féminisme d'abord, mais c'est éco. Et dans éco, on trouve beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle, dans cet écoféminisme, j'ai non seulement parlé de la femme, en voulant montrer, chercher un équilibre entre ce que la femme fait et ce qu'elle doit faire, et ce qu'on doit faire pour elle, parce qu'on doit faire pour elle, mais aussi ce qui se passe autour de nous d'une manière globale, en termes d'écologie et en termes d'économie. Parce que tout le monde sait qu'actuellement, nous avons des problèmes, non seulement économiques, mais écologiques. Donc, le terme que j'ai trouvé pour allier tout ça, l'écologie, l'économie et le féminisme, par un féminisme automatique. Il faut que les femmes me concèdent cela. Je n'ai pas voulu parler de féminisme automatique. Parce que les femmes réclament par exemple la parité. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. La parité peut-être, mais si nous les femmes, nous continuons à dire parité, parité, c'est comme ça, parité. Ça veut dire que les femmes ne vont plus chercher le mérite. Or, ce qu'on gagne, là où l'on se trouve dans la vie, et on doit le mériter. Si on dit, c'est automatique. Trois hommes, trois femmes. Ça voudra dire que les femmes, ça voudra dire que les femmes vont toujours dire, il y a deux hommes ici, il faut deux femmes là-bas. Et donc, elles ne vont plus faire des efforts pour vraiment mériter leur place dans la société. En plus de cela, les femmes, quand elles réclament, il faut qu'elles soient conscientes qu'elles ont beaucoup de devoirs. Et comme la femme, c'est elle qui est le pilier de la société. C'est la femme elle est mère, elle est sœur, elle est épouse, elle est amie. Donc c'est cette femme-là qui parle à l'homme, c'est cette femme-là qui guide l'homme, c'est cette femme qui dit, de toute façon nous les femmes au Sénégal, on remarque que quand il y a une cérémonie, quelle que soit la forme de la cérémonie, avant que les hommes ne prennent des décisions, ils parlent aux femmes. Ce sont les femmes qui leur disent, ah, il y a ça comme situation. Dans de telles situations, on fait ceci, on fait cela. C'est à partir de ces conseils des femmes, que ce soit la maman, que ce soit l'épouse, que ce soit la sœur, l'homme, il va toujours vers une femme ou bien une amie. Il va toujours parler à une femme avant de prendre une décision. Donc, la femme, c'est le pilier de la société. Et les enfants, qu'ils soient garçons ou filles,
Ils aiment bien les pères, mais ils retournent toujours vers les mamans. Parce que les mamans, elles sont toujours là. Généralement, il y a bien sûr des cas où les mamans ne sont pas là. J'en parle un peu dans le livre. Mais sur 75% des cas, ce sont les mamans qui sont là. Et quand les mamans sont là, quelquefois avec le père, mais dans beaucoup de fois, dans beaucoup de cas, sans les pères. Et c'est pourquoi moi, je parle du concept où la mère devient la père. Si le père n'est pas là, ou s'il est là et il ne fait pas ce qu'il a à faire, la mère devient la père. Donc, la femme, elle est la mère et la père dans beaucoup de cas. Oui. Et maintenant, ce sont donc les femmes qui sont généralement le plus souvent là pour éduquer. Et nous avons besoin d'enfants qui soient éduqués, non seulement sur le plan intellectuel, pour aller à l'école, mais sur le plan de la vie. Il faut que nous-mêmes, nous nous imposions une vie saine, une hygiène de vie. Pour que nous puissions réussir cela, il faut que nous commencions à éduquer les enfants. Et qui est-ce qui éduque les enfants? C'est la mère ou la père, en général. Le père, très souvent, même s'il est là, il n'a pas le temps. Donc, soit la mère éduque, soit la père éduque. Le père, il aide de temps en temps. Mais très souvent, quand il vient, il prend son journal, il mange, il se couche, ou bien il regarde la télé. Ok? Non. Je vais conclure. Merci de conclure. Donc, je vous invite à lire le livre et vraiment à en discuter. Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment intéressant. En tout cas, cette journée, cette cérémonie de la journée nous aura permis de savoir que les enfants maintenant ont trois la terre. Ceci dit, avant de lever la cérémonie, je voudrais quand même remercier tous ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement, remercier les panélistes, le docteur Ahmed Matar Kanté, le docteur Babacar Diagne, ceux qui sont dans la salle, remercier en mon nom, au nom du professeur Kourakan, au nom du docteur Lochesand, remercier le docteur Hassan, qu'elles ont rencontré pour la première fois à la fête nationale de l'Iran. Vous aviez promis d'être la docteur et vous êtes là. Et voilà. Le livre est en vente à 10 000 francs à l'entrée. Pour ceux qui l'ont acheté, ils viennent se le faire dédicacer. Pour ceux qui ne l'ont pas acheté, merci à tous et rendez-vous le samedi 9, le samedi 11 mars 2007 à 9h à l'amphithéâtre Contre-Rafal de la FASTEF pour une table ronde autour de la thématique femmes et gouvernance de la paix. N'est-ce pas, docteur? Oui, c'est ça. Merci à tous. Merci. Merci. Merci, mon frère. C'est gentil, c'est très bien. Bien.